Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait au Congo en 1999. Ce reportage dont je vais vous parler m'a vraiment, vraiment foutu la trouille. Vous allez voir pourquoi. Alors nous sommes en juillet 1999. Le président du Congo est Laurent Désiré Kabila. C'est un type qui est arrivé au pouvoir il y a 2 ans. Il a renversé le président à vie, Mobutu, qui était soutenu par les Français. Et il décide, chose étrange, de rompre avec tous les gens qui l'ont soutenu, dont les compagnies minières, les Rwandais et les compagnies minières. Alors, comme par hasard, quelques semaines plus tard, il y a une résistance anti-Kabila qui s'organise à Goma, à une centaine de kilomètres de la frontière rwandaise. Cette rébellion est bien entendu aidée par les Rwandais, mais pas seulement par les Rwandais, évidemment. Par les compagnies minières qui donnent armes et munitions. Moi, je décide d'y aller. Donc, j'atterris à Kigali. De Kigali, je prends la route, traverse la frontière et arrive au Congo. À Goma, je suis moyennement reçu. Un militaire vient me voir et me dit « Vous avez le droit de venir avec moi, je vais encourager des soldats qui partent au front. » Ah, tout de suite. Vous comprenez tous Lingala? Il n'y a pas de problème? Qui ne comprend pas Lingala? Il faut que vous soyez correct avec les habitants des villes et des villages que vous traversez. Vous êtes là pour les libérer, pas pour les violer ou les voler. Et sur l'aérodrome de Goma, j'aperçois des Blancs. Je me renseigne, ce sont des mercenaires russes et ukrainiens. Ce sont des gens qui ont une compagnie aérienne et ils se vendent au plus offrant. Ils livrent des armes un peu partout au Congo. Moi, je leur demande s'il n'est pas possible de partir avec eux. Évidemment, c'est une question de pognon. Et à ce moment-là, l'un d'eux me dit « Ah, écoutez, après-demain, on a une mission assez loin de Goma. C'est environ à 950 km de Goma. On a une mission dans un bled qui s'appelle Loggia. La piste est très courte. On doit s'y poser en catastrophe. On reste 10 minutes. » On balance tout ce qu'on a à balancer et on s'en va. Si vous voulez venir avec nous, on vous balance avec, mais il faut payer. Moi, je suis d'accord. Je dis, ok, d'accord. Bingo. Mais moi, je mets une condition, c'est qu'ils puissent revenir une semaine après, une semaine et demie après. Parce que je ne me vois pas rester plus d'une semaine et demie
dans un village, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais y faire. Et voilà. Me voilà parti à Loggia. Ouais, le voyage s'est très très mal passé. Parce que les pilotes ont la trouille des missiles à courte portée. Et donc ils montent à 5000 mètres. Et moi je suis dans la soute qui n'est pas pressurisée. Ah, je crois sentir mon cœur éclater, mes tympans. C'est épouvantable. Je me couche. J'essaye de respirer. Enfin, l'avion redescend. Ouh, arrivé à Loggia. Ouf. On me demande si je souhaite loger chez l'habitant. J'accepte avec plaisir. La chose la plus curieuse à Loggia que j'ai vue, ce sont les enfants qui s'enfuyaient en me voyant. On me pose la question, je me demande pourquoi. Et l'un des habitants me dit, mais tu sais, ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas vu de blanc. Alors eux, bah, évidemment, ils n'ont jamais vu de blanc de leur vie. C'est incroyable. Là, je me dis, ah oui, là, je suis dans un autre monde. Hein? Je suis vraiment dans un autre monde. C'est là où je rencontre un type complètement invraisemblable. C'est un pasteur évangéliste qui est en même temps commissaire politique rwandais. Vous savez ce qu'il me dit? Ah, mais moi, je suis très opérationnel comme commissaire politique. Car j'écoute absolument tout ce que les gens me disent en confession, et comme ça je peux avoir une vision exacte de ce qui se passe à Loggia. J'hallucine, j'hallucine. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train d'organiser pour que les choses ne s'empire pas, pour qu'il y ait quand même la paix et le calme, surtout. Pour qu'il n'y ait pas de débordement. J'encadre la population dans le cadre de l'Église. Et c'est là où je leur explique, parce que la sécurité, à l'époque du président Mobutu, la sécurité c'était pour garantir le pouvoir d'un individu. Mais je leur explique que la sécurité de Dieu, c'est aimer son pays, et aimer les autorités, respecter les lois établies par les autorités, et prier pour ces autorités pour qu'eux aussi mettent en pratique ce qu'ils nous recommandent. Et c'est ça, en quelque sorte, d'après moi, la sécurité. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer aux gens. Les gens m'écoutent et vous avez trouvé qu'à Loggia, il y a harmonie entre le peuple et les militaires. Il n'y a pas de problème. Nous nous comprenons. Et grâce à ces prédications, même le sida est guéri, hein, par la foi en Jésus-Christ, le Dieu d'Escatène. Pardon? Oui. Ce que les hommes de science trouvent impossible à l'église du Dieu vivant, c'est possible. D'autre part, il me dit aussi qu'il a des remèdes contre le sida. Ces remèdes, en fait, je les vois, il refuse que je les filme. Ce sont des petites pilules de sel, mais il me dit, c'est grâce à la bonté divine que j'ai eu ces remèdes. Alors, d'autre part, bon. Je vais évidemment me balader dans la ville. Elle est presque désertée. Et puis, il y a vraiment une peur des habitants, du peu d'habitants qui est là, qui se regroupent, mais qui s'éclatent rapidement. Il y a vraiment une peur de ces habitants-là, parce qu'ils voient dans l'armée, enfin l'armée. Ces gens qui ont été embrigadés par la nouvelle résistance contre Kabila, bah ils voient chez ces gens-là brutalité, pillage, viol. Voilà. Voilà, parasitiste d'Isaïe, au Congo aussi.
Pourtant, une discipline de fer est appliquée. Tout homme pris en état d'ébriété est immédiatement puni. L'un d'eux est accusé de viol. On l'a condamné à 150 coups de fouet. Vous voyez l'étendue de la ville de Lodja. Ce sont eux les militaires de RCD qui ont tout pillé. La banque a été détruite, c'est pas eux. Nos pharmacies, nos magasins, tout ont été détruits, toujours par les... Alors qu'ils cessent avec les réflexes. Nous ne voulons pas RCD. Qu'ils quittent, que les Rwandais quittent notre territoire congolais. Qu'ils rentrent chez eux. Tous les étrangers, les envahisseurs, qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils nous laissent tranquilles chez nous. Les agresseurs qui s'en aillent chez eux. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous demandons. Si vous avez pitié de nous autres, vous les Français, les Américains, hein? Si vous avez le pitié de nous autres, de toutes les façons, nous demandons la paix. Ça fait, par exemple, toute une année et demie. Hein? Une année et demie, les enfants n'étudient pas. Pas de médicaments, pas de quoi. Les Wamba, ces enfants se trouvent en Europe, sont en train d'étudier. Nous, nos enfants souffrent ici. Nos frères congolais sont des natures de Rwandais. Ce sont les Rwandais qui les dictent pour qu'ils viennent nous faire ce qu'ils veulent. Nous voulons vraiment la fin de la guerre. Nous voulons la fin de la guerre. Ils sont les agents d'exécution pour cette force-là. Ils ne font qu'exécuter à leur dit. C'est pourquoi nous nous sentons maintenant agloutis, envahis. Alors les gens là commencent à vendre fini ta fétille. Hein. Bon, ici c'est les gens qui bricolent les réparations vélo. Ouais. Ils se débrouillent pour trouver quelque chose à manger à base de leur travail ici. Ok. Mais actuellement ils n'ont pas de l'argent. Nous ne voulons pas la guerre. Vraiment qu'il se termine. Ça fait déjà longtemps. Et tant des années, il y a que la guerre, il n'y a pas la solution. Même pas. Hein? Il n'y a pas l'hôpital. L'hôpital ne fonctionne pas. Alors, il signe. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas à manger. Alors, nous sommes en train de pas d'argent, pas de médicaments. Même vraiment les moyens de se déplacer, même les déplacements difficiles. Nous vivons vraiment, en tout cas, ça ne va pas. Comme des bêtes. Ça ne va pas. La population, nous sommes en train de souffrir, de mourir, et de partout, beaucoup de maladies. Oui. Avant, nous vendait des carburants ici. Bon, on prenait par exemple l'avion d'ici à Kinshasa, on achète les marchandises, on arrive ici, on va les vendre, nous aurons donc de l'argent. Les bateaux aussi, ça fonctionnait dans de très meilleures conditions. Mais pour le moment, vraiment, ça ne va pas. Hein, pour le moment, pas de circulation, pas de déplacement, pas de quoi, pas de soucis. C'est ça. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Ici, ce que nous vendons, ça n'y est pas. Au lieu de nous envoyer ici des Goma jusqu'à Lodja, ça n'arrive pas. C'est probable, mais pourquoi pas? Puisque vous voyez les gens en train de souffrir. Lorsqu'on a la paix, alors on peut travailler par-ci, par-là. Vous voyez maintenant, moyen de communication, il n'y en a pas. Moyen de déplacement, il n'y en a pas. Et alors, comment est-ce que les gens peuvent vivre en paix? Nous voulons la paix, puisque si la paix est liée, on aura beaucoup à faire. Mais il n'y a pas du mal pour qu'on ait la paix. Mm-hmm. C'est ça que nous cherchons pour que la paix règne partout. Alors, ça fait une semaine et demie que je suis là. Je commence à me dire, il faudrait peut-être bouger un peu. Il faudrait savoir quand l'avion revient. Je vais voir le commandant de la place qui a une radio pour joindre Goma. Et celui-ci me dit, écoutez, la radio, elle marche plus. Elle marche très peu. Moi, il m'envoie des informations de temps à autre, que j'arrive à capter, mais on est vraiment en dehors de tout ici. On n'arrive pas du tout à communiquer avec Goma, ou presque pas. Et ils ne nous ont rien dit. Alors moi, j'insiste en me disant, vous savez, il faudrait quand même que je m'en aille.
C'est pas que je suis pas bien à l'Algérie. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que j'ai des traitements, j'ai des médicaments à prendre, que je prends tous les jours, qui sont très importants pour moi, parce que je suis épileptique, et que la réserve de médicaments s'amenuise. Donc, je commence à avoir un peu la trouille. Et pas vide, hein, mais ça s'amenuise. D'autre part, je n'ai plus beaucoup de cassettes. J'en ai encore 5-6. D'un seul coup, je me dis, bon, il faut essayer de partir autrement. Alors, l'avion, il n'est plus là. La voiture, il ne faut même pas y penser. Il y a 900 km ou 950 km jusqu'à l'Algérie. Il y a des jungles. Il n'y a plus de route. Le Congo, c'est fini, il n'y a plus de route. En plus, il y a des pillards, il y a même plus que des pillards, il y a des chefs de guerre, etc., etc. Et puis, non, il ne faut même plus y penser. Alors un jour, on me propose d'aller à 150 km de là, à Benedibélé. Je dis oui, avec plaisir. Et hop, nous voilà partis à Benedibélé. Là, il y a encore un semblant de route, mais pour passer, j'ai eu des sueurs froides, hein. En particulier des ponts. Oh, mon Dieu. Des ponts écroulés qui tiennent encore avec des poutres. On se demande comment. Oh, oh là 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 là. Ça craint vraiment. 90% des pistes n'existent plus, faute d'entretien. La forêt équatoriale a donc repris ses droits. Les guerres ont détruit les infrastructures, comme les ponts et les bacs. L'inquiétude me prend vraiment. Là c'est quand l'angoisse commence à me prendre vraiment. Maintenant, ça fait un mois et demi que je suis arrivé. Je commence à restreindre mes médicaments. J'en prends un sur deux. J'ai vraiment la trouille. Vraiment. J'ai vraiment la trouille. D'autre part, j'ai un autre problème. Mon fils a 10 ans. Il m'attend en France. Ça va être la rentrée des classes et je ne serai pas là. Ah, quelle horreur. Ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Alors je vais voir le commandant du coin. Je lui dis, écoute, maintenant il faut absolument, absolument que tu me trouves un avion. Et qui me dit, mais moi je peux rien faire. On ne me répond pas, je ne peux rien faire. Là, je commence à désespérer complètement. Complètement. Je me dis, je vais crever dans ce coin de l'Afrique. Je vais crever vraiment. Je vais mourir. En dehors des miens. En dehors de tout. Absurde quand même. Et puis un jour, le commandant arrive et me dit « Nous avons communiqué !» Un avion arrive. Un avion arrive. Oui. Un avion arrive. Et il me dit « Le problème, c'est que nous n'avons plus d'essence. » Oh! Je lui ai dit, on s'en fout, on va y aller sur ton terrain, on va y aller à pied. Ah mais oui, mais moi je dois y aller
je dois transporter tout ce qu'ils vont nous amener. Il n'y a plus d'essence. Je les vois en train de transvaser l'essence. Ah, c'était trop. C'était trop. Il y en a, il y en a. La Jeep ici était pleine. Bon, comme celle-ci manquait, et puis une petite quantité, on a pris, on a tiré pour l'utilisation. Le carburant arrive dans l'avion. Vous voyez ? Ouais, ouais. On essaie que mettre une petite quantité pour nous faire parvenir à l'aéroport. Et puis... Vous êtes sûr que le carburant arrive à l'avion ? Ouais, ouais, nous sommes sûrs. Nous avons communiqué. Oh. Quelle peur. 2 mois au lieu d'une semaine. Quelle peur, vraiment. Je suis arrivé juste à temps pour voir mon fils rentrer à l'école. Mais quelle panique. En tout cas, c'était un super reportage. Oui, c'était un super reportage, avec des gens super. Des gens extraordinaires, naturels. Des gens extraordinaires. J'en ai un souvenir horrifié à cause de cette attente, mais en même temps, extraordinaire. Fantastique. Écoutez, à très bientôt pour d'autres aventures. Vous allez voir, j'en ai plein à raconter. À bientôt. N'oubliez pas, j'aime. Et abonnez-vous.